Commençons par une grande question. Qu'est-ce que Q6 Eh bien, si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement une idée générale, mais assurons-nous que nous sommes sur la même longueur d'onde, car vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce que peut faire Q6. Q6 est une plateforme audio, vidéo et contrôle construite autour d'une architecture moderne respectant les normes informatiques et supervisables via le cloud, conçue pour fédérer un écosystème de partenaires et qui est également complètement ouverte à l'intégration. Cela commence par un système d'exploitation qui pilote et gère une multitude de produits Q6 au sein de la plateforme. De plus, son architecture informatique moderne est un ensemble d'outils de développement appelé Q6 Open permettant l'intégration d'un écosystème complet développé par des partenaires Q6 tiers approuvés ainsi qu'une communauté mondiale de programmeurs et de développeurs Q6. Je sais, cela fait beaucoup de choses à aborder, alors jetons un coup d'œil à chacun de ces éléments. Tout commence avec le système d'exploitation Q6. Le système d'exploitation q est une base logicielle qui rend tout possible, construite à partir d'une architecture unifiée et basée sur des normes informatiques. Nous avons utilisé des principes standards et des technologies critiques de l'industrie telles que les protocoles réseau standard I3E, les protocoles Intel, Linux et les langages de programmation conventionnels pour le rendre aussi polyvalent, évolutif et performant que possible. Il comprend un moteur audio, un moteur vidéo, et un moteur de contrôle robuste assurant le traitement au niveau de la couche logicielle, avec une administration du système d'exploitation solide qui fonctionne de manière holistique, plutôt que d'exiger qu'un intégrateur passe du temps à programmer et à intégrer l'audio, la vidéo et le contrôle séparément. L'une des tâches principales du système d'exploitation consiste à piloter un projet ou une conception unique spécifique à votre système. L'objectif principal de cette formation sera de vous apprendre les bases de la construction de cette conception à l'aide du logiciel Q6 Designer, qui est l'un des outils disponibles. La taille et la portée des conceptions peuvent varier énormément. Mais que vous construisiez une petite conception qui pourrait ne gérer que la musique de fond stéréo d'un café, ou une conception massive comme un aéroport qui gère des centaines de canaux audio, contrôle d'innombrables appareils tiers et intègre des scripts compliqués, votre conception sera toujours créée dans le même logiciel Q6 Designer. Comme vous pouvez le deviner, Q6 peut être utilisé pour une grande variété d'applications. Une grande partie de cette formation mettra en évidence des systèmes pour des espaces de grande valeur, pour la collaboration comme les salles de réunion ou de conférence qui nécessitent l'intégration de plateformes UC et vidéo. Mais ne laissez pas cela vous limiter en pensant que c'est tout ce que peut faire Q6. Q6 peut être utilisé dans un grand nombre d'applications de divertissement, de collaboration et d'audiovisuel commercial. Q6 est utilisé dans les établissements d'enseignement supérieur pour les amphithéâtres, la sonorisation et la distribution vidéo. Il est utilisé dans les lieux d'accueil comme les hôtels, les centres de congrès et les bateaux de croisière. Cinéma, parc à thème, institutions gouvernementales, stades, transports, restaurants, lieux de culte, etc. Tout espace à forte valeur ajoutée qui a besoin d'audio, de vidéo et de contrôle. En pratique, le système d'exploitation Q6 a besoin d'un processeur. C'est là que Q6 Core entre en jeu. Si Q6 OS est le cerveau de votre système, alors le processeur Core est le cœur. Il existe une gamme de modèles de Core Q6 qui varient dans la quantité de puissance de traitement qu'ils offrent, le nombre de canaux audio réseau qu'ils peuvent gérer, ainsi que les différences dans leurs entrées-sorties embarquées. Par exemple, certains modèles ont des entrées et des sorties audio intégrées. D'autres non. Certains sont mieux adaptés au traitement centralisé, tandis que d'autres conviennent mieux au traitement localisé. Savoir quel corps vous convient dépendra des besoins de votre système. Mais ce qui est important, c'est que tous les corps exécutent le même système d'exploitation Q6, offrent tous les mêmes fonctionnalités logicielles, et exécute des systèmes conçus à partir du même outil, le logiciel Q6 Designer. D'ailleurs, la première chose que vous ferez probablement lors de la création d'un design est de choisir sur quel corps vous avez l'intention de le déployer depuis un simple menu déroulant dans le designer, bien que vous puissiez facilement changer cela plus tard si vous réalisez que les exigences de votre processeur ont évolué. Les besoins du système vont dicter les types d'appareils que vous allez piloter avec votre conception. QSC propose une vaste gamme de périphériques, de services et de logiciels Q6 natifs conçus pour être pilotés directement par le système d'exploitation. Ce portefeuille sans cesse croissant comprend des caméras de conférence Q6, des amplificateurs, des haut-parleurs, des écrans tactiles, des licences logicielles, des interfaces entrées-sorties et bien sûr les vastes ressources de traitement du signal numérique, de traitement contrôle et de composants de routage vidéo qui connectent tout cela ensemble. L'utilisation de produits Q6 natifs facilite grandement votre intégration car chacun de ces appareils est conçu avec une fonctionnalité de glisser déposer dans le logiciel et a été rigoureusement testé par rapport à tout le reste de la plateforme Q6. Cependant, ne nous faisons aucune illusion en pensant que nous pouvons fabriquer tous les périphériques ou interfaces imaginables dont vous pourriez avoir besoin dans votre installation spécifique. C'est pourquoi nous avons des partenaires Q6. Ces partenaires créent des logiciels, des services et du matériel qui s'intègrent à l'écosystème Q6 et ont été entièrement contrôlés et approuvés par QSC. Les solutions qu'ils développent peuvent être intégrées au système d'exploitation Q6 et fonctionner avec les produits Q6 natifs. Les partenaires Q6 collaborent avec les équipes QSC pour développer et vérifier leurs solutions en amont, puis continuent à travailler avec QSC dans leur support et maintenance pour nos clients. Plus tard dans la formation, nous vous montrerons comment intégrer des plugins qui vous donnent le contrôle de ces appareils tiers dans votre conception Q6, en vous donnant la tranquillité qui vient avec ces intégrations entièrement vérifiées et comparées. Nous avons mentionné précédemment que Q6 permet une intégration ouverte, et nous le pensons. La réalité est qu'il existe de nombreux fabricants avec lesquels nous n'avons pas encore de partenariat. C'est pourquoi nous avons créé Q6 Open, afin que les partenaires Q6 et les non-partenaires puissent tous bénéficier du développement tiers au sein de Q6. Les outils Q6 Open tirent pleinement partie du système d'exploitation Q6, -SYS, à savoir son utilisation des normes et protocoles ouverts de l'industrie, associés à une collection d'outils de développement disponibles pour l'intégration tels que l'UA, HTML5, CSS, ainsi qu'une API. Enfin, ne laissez pas tout ce discours d'ouverture vous faire penser que nous n'avons pas conçu Q6 en pensant à la sécurité. Q6 utilise également des mesures de sécurité de premier ordre, un cryptage, une signature cryptographique de code, etc., pour assurer la sécurité de vos systèmes. Et vous pouvez également surveiller et gérer vos installations à distance depuis le cloud en utilisant notre plateforme Reflect Enterprise Manager. Voilà, c'est Q6 en un mot. Un résumé, certes assez large, mais un résumé quand même. Lorsque vous serez prêt, passez à la vidéo suivante et nous commencerons à discuter des bases d'un chemin de signal q des périphériques et de la façon de les ajouter à votre conception.